Eh bien écoutez, tout d'abord, c'est finalement un peu plus de la moitié des 430 000 personnes qui avaient apporté leur soutien à Jean-Luc Mélenchon sur sa plateforme internet depuis le début de sa campagne qui se sont exprimées, soit un peu plus de 50% des personnes. Et c'est le vote blanc ou nul qui remporte le score le plus élevé avec 36% environ des scores exprimés. Mais attention, les votes sont très serrés. 35% des personnes se sont exprimées en faveur d'un vote pour Emmanuel Macron. L'abstention, elle, ne récolte que 29% des suffrages. Mais attention ici, on le répète, si c'est le vote blanc ou nul qui arrive en tête, ce n'est pas une consigne de vote, mais bien une consultation des militants. Et à l'instant, Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, nous répétait que le but était bien de faire barrage au Front National et à Marine Le Pen. Dimanche dernier, Jean-Luc Mélenchon l'avait dit, il ne donnait pas de consigne de vote, mais ce serait selon lui une terrible erreur de voter pour le Front National. C'est d'ailleurs pour cette raison que la proposition de voter pour Marine Le Pen ne faisait pas partie de la consultation.